À Niamey, une centaine d'étudiants nigériens ont protesté contre les sanctions et menaces d'intervention militaire de la France et de la CEDEAO dans le pays. Je voudrais appeler les jeunes des médias et même au-delà de la population nigérienne, qu'elles comprennent. En ce qui concerne la CEDEAO ou bien la communauté internationale, ce n'est qu'une intimidation. Et nous, on ne croit même pas à ça. Les gens n'ont qu'à garder leur esprit de la nigérianité. Et c'est ce qui va nous permettre de sortir de cette intimidation. Réunis sur leur campus de la capitale, les étudiants ont manifesté leur soutien aux militaires à l'origine du coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Ce sont 3 ans d'aide, on est où? On est dernier en Afrique. Et pourtant on dit que le Niger, il est très riche en potentialité. Et puis on est dernier. Comment ça se comprend pas? Donc à quoi sert l'aide de l'extérieur? On serait résilient derrière nos FDS pour pouvoir arracher notre indépendance, notre nouvelle indépendance. Certains étudiants inquiets pour la sécurité des citoyens ont abordé la nécessité d'être protégés par leurs dirigeants. Un souhait qu'un gouvernement civil n'a pas su exaucer, selon eux.